Eh bien, salut à tous, bande de gamers, c'est Uchidams, et on est parti pour la huitième partie de Doom. Et cette fois-ci, on va tous s'éclater. On va retrouver cette vieille bourgeoise et on va lui faire la fête. Bourgeoise, je sais pas. Ah oui, carrément, je vous voyais parfois immense comme ça. Non. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tentez dedans. Allez, venez danser la carioca. Allez, allez, allez. Oh, il est mignon, tiens. Allez, viens, mon poteau. Oh, couille. Tiens, Iron Man de mes couilles. Oh là là, mais c'est qu'il y a du peuple pour moi, donc. Oh les gars, oh les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà, pas de panique. Mais je vous avais pas fini. Non, je suis pas d'accord. Vous voulez tuer tous les monstres. C'était la recette de la bouillabaisse. Fuck. Oh là, 1%. Attendez, il faut attendre. Parce que là, ça charge beaucoup là. 6, 8, 10, 25, 26. Oui, vas-y petit champion, tu peux monter. 46, 47, 49, 50, 51, 55. Et va-t-il dépasser les 60%? Oui, 74%. Oh, il commence à ralentir un peu le petit. 74% et j'ai mon chat qui commence à faire le con. Vas-y. Ah, 87, 90, 94. Va-t-il être champion du monde? 95. Oui, il l'a fait. C'est parti. Feu ardent. Nous voilà en enfer. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait penser à Doom 3. Dites-moi sur commentaire si vous savez si ça vous fait penser ou pas à l'arrivée de Doom 3. C'est parti. On m'a parlé? Dieu? Diable? Ah non. Le mec qui a jamais été en enfer et connaît comment ça tourne. Ah. Nous allons installer l'appareil dimensionnel dans le tombeau. Utilisez les perches lumineuses pour baliser le chemin. Ok, ça marche. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est feu. Parce que feu ardent. C'était pourri, mais bon.
Surtout que je l'ai mal fait en plus. Et il y a des trucs partout ici. Regardez, regardez. On va aller faire un tour là-bas d'abord. On va récupérer les pièces d'armure. Il n'y a rien d'autre ici, pas une... Ah, je vois que des trucs de l'autre côté d'ailleurs. Ah, c'est avec un téléporteur. Ah oui, forcément, on est en enfer, on va commencer à utiliser les téléporteurs. J'aime bien ce joujou. Ouh, toi je te kiffe. Vous avez vu la fin là, comment j'ai failli tomber dans le vide. Rien à prendre ici, ok. Je m'aventurerai pas là-dedans. Mais du coup là ça nous fait... Il est placé où ce gun? Ah il est placé là, ok. Ok. Allez! Après le bœuf bourguignon, le démon bourguignon, c'est la recette. On les met en pièces. Terminé pour toi. Rien à prendre ici, ok. Allez, bim. Ah! Voilà. Il y a un chemin partout. Oh oh oh, j'ai cru voir une ruine. Là-bas, là, c'est pas une ruine ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il a morflé lui. D'accord. Le gun il est grave puissant mais... Oh, je veux dire le gun il est très puissant mais alors par contre qu'est-ce qu'il est lent. Allez, bim, dans tes dents, mon gars. Repose en pièces. Il y a du feu quand même là. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. C'est pas ça. Hop. 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 Et hop. Ok, ils vont nous sortir une musique à la Star Wars. Dans ta gueule. C'est officiel, je ne sais pas où on va, ça commence à devenir des labyrinthes.
Oh là là, il y en a deux carrément. Les frères jumeaux sont de retour. Pour vous jouer à mauvais tour. Ça me fait chier ça. T'es au courant? Allez, bim. Défonçage de nuque. Oh. Pas de secret ici? Il y a une plateforme là. Non, c'est un peu trop risqué. Un peu trop risqué. Ok, donc là on est passé par là déjà, on a vu ici. Ok, donc tout ça on a vu, on a vu. Là c'est des plateformes qui sont tenues par des chaînes en l'air. Tout va bien, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est tout. Ah d'accord, c'était en bas qu'il fallait aller. Oh mais moi je veux savoir ce que c'est ça. Ah d'accord, ça je pense que c'est les portes bleues. Là-bas c'est ce qu'on avait vu, c'était la porte jaune. Faut la clé jaune, la clé verte là. Et tout est Quinty. Alors, quelle porte j'ai ouvert? Crâne jaune. Ok. Donc on va revenir donc vers la porte jaune. Non, cette porte-là, c'est la peau ouverte. Hein. Ah, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ça? Au premier âge, lors de la première bataille, lorsque les... 30 secondes. Ah d'accord, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Les ombres se sont allongées pour la première fois. Un seul s'est dressé, brûlé par les braises d'Armageddon. Son âme, tumifiée par les feux de l'enfer, est corrompue au-delà du salut. Il a choisi la voie du tourment éternel. Il n'a pas trouvé la paix dans sa haine dévorante. Il a écumé les plaines ombrales pour se venger des seigneurs des ténèbres qu'il avait trahis. Il a porté la couronne des sentinelles nocturnes, et ceux qui ont tâté de son épée l'ont surnommé le tueur de mort. En même temps... Alors, qui nous ont mis une histoire dans le monde des enfers, tant mieux. Mais c'est moi le tueur de mort, j'ai l'air de prendre votre branlée, les gars. Vous avez fait trop de conneries. Allez, dans ta gueule. Hop, je t'ai vu. Il est temps de tout faire exploser, je crois. Allez, bim, ça c'est fini pour ta vie.
falloir qu'on récupère un peu plus de vie parce que là on commence à affronter des adversaires beaucoup plus coriaces. Ça me fait chier lui là. Trêve. Je vais arrêter de faire cette merde pourrie là. Il y en a deux. Ça semble être la fin. Non, peut-être pas encore. Oh putain, je sais même pas où je vais. Merde, je voulais pas le tuer comme ça. On va sortir de ce guet-apens. Oh là là. Alors là, je vais récupérer de la vie avant que ce soit la fin. Non, laisse-moi passer, merci, t'es gentil toi. Tiens, j'ai plus de dents. Non, t'es pas sérieux. Je crois qu'il va être temps de sortir la tronçonneuse. Merde. Allez, tiens. Tu feras moins chier le monde comme ça. On a fait un plein complet de munitions, les poteaux. C'était un peu serré quand même, hein. Est-ce qu'on a la carte là? Est-ce qu'on a... Ça nous dit des trucs, des secrets, des petits trucs comme ça, quoi. Y a pas un petit truc qui se balade dans les environs là? Ok, ça marche. On va récupérer. Ouais, celui-là. Fait. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Je me demande si j'arrive à atteindre ça. Non, je n'attendrai pas. Ce sera plus simple comme ça. Hop, tranquillote. Ah ben le toc toc. Oh. Yeah. Allez, ça c'est bon ça. Récupérer la vie aussi. On va prendre le téléporteur et c'est parti pour le téléporteur. Ah oui d'accord, je crois que savoir où est-ce qu'on est. Ouais. Je reconnais l'endroit. Et nous voici avec le crâne bleu. Et je m'en doutais, comme une pleine d'accueil. Moi je me barre les gars, ciao.
Vous pensez qu'il peut prendre le téléporteur? Bon, la porte bleue, on va travailler avec vous. Oh, c'est bon. Allez, ça c'est fait. Allez, viens. J'avais pas vu l'état de ma vie. Oh, j'ai récupéré de la vie pile pour le bon moment. Je crois qu'il est temps de changer d'arme un petit peu. Histoire de les calmer un petit peu. Trouver une sortie rapidement. Parce que là, il va falloir bouger, 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 bouger avant qu'on fasse éclater. Là, c'est la meilleure technique à faire, c'est ça. Sans se faire serrer. Oui, bien, la vie. Pile poil devant ma gueule. Ouh. Voilà, impeccable. Allez. Ça c'est réglé. Ok, impeccable. Putain, ça va prendre un moment là, c'était chiant ça. Allez, vas-y. Oh merde. C'est où le gros? Oh non. Merde. Sinon les potos, je veux pas vous dire, mais... C'est temps d'arrêter un peu de me faire chier. Putain, fait chier. Ouais, le combat était un peu serré quand même là, c'était... Je sais pas s'il fallait vite se barrer ou... Ah ouais, on revient ici après. Bon, vous savez quoi, on va garder celui-là pour les gros et on va faire la fête à ceux-là avec celui-là. J'ai repéré où il y avait de la vie en même temps.
Mais voilà, ça y est. Allez, viens là. Là, on est pour lui. On va prendre ça. Allez, venez! En plus, on n'a pas encore sorti les gros calibres. Mais quand on allait récupérer la vie. Oh, ok. Là, maintenant, on va prendre ce bon gros calibre. Allez, terminé. Oh oui, 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 de la vie. Allez, réacteur en moins. Terminé. Des munitions, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, par contre? Non, bon, tant pis, c'est pas grave, on continue. Allez, porte bleue. Munitions, essence. C'est bon, j'ai cru entendre un monstre. Allez, on va prendre ça vite fait. Et on va améliorer l'armure aussi. Du coup, tout sera quitte après, on en commentera la vie. Et sur ce, on va se faire une petite pause. Et bien écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez la vidéo sur Facebook et Twitter et puis abonnez-vous pour voir la suite. Ciao, ciao !